En dépit du temps maussade qui a assombri les premières journées de printemps, la population d'Alger est venue nombreuse applaudir avec M. Roger Léonard, gouverneur général de l'Algérie, le brillant défilé du Corso fleuri. Derrière le carrosse de la reine, entouré de ses demoiselles d'honneur, plus de 30 chars différents composaient la cavalcade qui devait pendant deux jours animer le front de mer. Empruntant tour à tour leur inspiration au titre d'une chanson, à des souvenirs bibliques ou historiques, les participants semblaient s'être donné le mot pour varier au maximum le spectacle du carnaval. Mêlés au cortège, les travestis ne devaient pas tarder à déclencher la traditionnelle bataille de confettis et de serpentins. Et la pluie de papier a fait oublier l'eau.